La Somalie est l'une des plus grandes tragédies africaines. Déchiré depuis la fin de la guerre froide, le pays est confronté à toutes les plaies du continent africain. Islamisme, division ethnique, pillage des ressources, ingérence occidentale et africaine. Nous échouons souvent dans le développement en Afrique car il nous manque une approche complète et consciente du terrain. Nous oublions trop souvent que développement et sécurité doivent travailler ensemble. Je tiens à souligner quand même le courage des services extérieurs, de nos services extérieurs, enfin de la Commission, qui ont voulu s'implanter là-bas, sur place. Cela va dans le bon sens d'une approche de terrain. Nous devons cependant éviter une approche trop souvent libérale, car nous pensons que le développement peut se faire sans État et sans protectionnisme. En cela, les accords de Lomé sont bien plus avancés que ceux qui le sont actuellement, ceux de Cotonou. Je suis sûr qu'un travail conjoint parlementaire aboutira de manière positive à cette approche du codéveloppement.